Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce vanity. Pour le réaliser, vous aurez besoin du gabarit. Le lien de téléchargement est dans le descriptif et il est au format PDF. On va couper ce gabarit 4 fois. La valeur de couture est ici comprise. Il en faut un pour le dessus, un pour le dessous et deux pour la doublure. Ensuite, il faudra couper deux bandes de 59 cm sur 11, une dans le tissu extérieur pour le bas et une dans le tissu doublure. Deux autres bandes de 59 cm sur 4, une dans le tissu extérieur pour la partie haute et une dans le tissu doublure. Deux carrés de 14 cm de côté, un dans le tissu extérieur et un dans le tissu doublure. Pour la poignée, une bande de 24 cm sur 8. 58 cm de fermeture à glissière, donc ici c'est de la fermeture à glissière que j'ai acheté au mètre. Et dans le tissu, 4 morceaux de 3 cm sur 5, donc 2 dans le tissu doublure et 2 dans le tissu extérieur. Et pour la poche zippée, 2 carrés de 17 cm de côté et 14 cm de fermeture à glissière. Et pour donner de la rigidité à ce vanity, on va couper deux fois le gabarit dans du thermocollant, une bande de 4 cm sur 59 et une bande de 11 cm sur 59. On va commencer par préparer la poche zippée, donc on reprend un des gabarits coupés dans la doublure et un des carrés de 17 cm. On place endroit, contre-endroit et en épingle. Une fois épinglé, on va tracer au milieu un rectangle de 12 cm sur 1. Et au milieu de ce rectangle, on trace une ligne avec deux flèches aux extrémités. On pique le contour du rectangle et ensuite on coupe sur la ligne du milieu. On ouvre bien la couture et ensuite on retire les épingles. Et je vais passer le tissu au travers. On vient glisser la fermeture à glissière en dessous, on épingle et on assemble tout autour. On prend le second carré, on place par-dessus endroit contre endroit et on va assembler le tour, mais en ne prenant que ces tissus. On va préparer la poignée. Donc on reprend la bande de 8 cm sur 24. On fait un repli d'1 cm de chaque côté. Ensuite on replie en deux. Et on va piquer de chaque côté. J'ai posé le thermocollant sur la partie extérieure dessus. Et on va placer la poignée au milieu. Il faut l'appliquer de chaque côté. On reprend la grande fermeture à glissière et on va placer nos petits morceaux de 3 cm sur 5 à chaque extrémité et piquer dans la largeur. On reprend la bande de 4 cm et de 11 cm qui sont dans le tissu extérieur et on y pose le thermocollant.
on va placer l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur. Donc on commence par la bande de 4 cm. On recouvre avec le tissu doublure. On épingle et on pique sur toute la longueur. On va ensuite surpiquer sur toute la longueur. On va ensuite assembler avec la partie basse, donc toujours endroit de la fermeture contre endroit du tissu. On recouvre avec la partie doublure et on pique sur toute la longueur. Et on va ensuite surpiquer l'autre côté. On reprend les deux carrés de 14 cm et on va les placer de chaque côté en faisant correspondre les tissus. Et on pique les morceaux ensemble. On place l'autre extrémité sur un des carrés. Celui-ci est replié. On va rouler cette partie, rabattre l'autre carré par-dessus et on épingle avec les autres parties. Et on va piquer ici. Et le corps du Vanity est assemblé. On va le placer à plat couture sur couture et prendre des repères. Donc on place une épingle ici et ici. On va maintenant placer épingle contre épingle, bien à plat, et marquer deux autres repères ici et ici. Et là, on place également deux épingles. Les quatre repères du corps du Vanity sont en place. On va également placer quatre repères sur la partie dessus, donc celle où il y a la poignée. Et on va assembler ces deux parties entre elles en plaçant repère contre repère. La poignée dans ce sens-là, le corps dans ce sens-là. Le repère ici sur celui-ci. On passe sur l'envers et on va d'abord épingler les quatre repères avant d'ajuster le tour. On va d'abord ajuster les parties plates avant de cranter au niveau des arrondis pour finir d'ajuster. Le tour est ajusté et on va maintenant piquer. C'est assemblé et maintenant on va piquer la partie haute de la doublure, donc celle où il y a la fermeture à glissière, et on commence par placer nos quatre repères.
On commence par épingler trois côtés. Ensuite, on a le corps du vanity qu'on va plier et repousser à l'intérieur. On peut ainsi finir d'épingler le dernier côté. On va assembler le tour en laissant une ouverture ici et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que c'est piqué, on va retourner. Et ici, il faudra refermer à la main. On prend la partie dessous extérieure et on va poser nos quatre repères. On va également placer nos repères en bas du corps du vanity. On prépare l'assemblage de la partie basse comme l'assemblage de la partie haute. C'est ajusté et maintenant on assemble. Et on va assembler maintenant la dernière partie doublure. On place donc les quatre repères. Et on prépare l'assemblage comme pour la partie haute. Épinglé, on va maintenant assembler en laissant également une ouverture comme pour la partie dessus et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant on retourne. Et on va maintenant refermer à la main les ouvertures, celle qui est dans le bas et celle qui est dans le haut. Et une fois cette dernière piqûre faite, votre vanity est terminée. À vos machines!